Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous lire la suite de Maximo. Donc Maximo, c'est un imagier. Dedans, vous allez découvrir les images, les dessins d'animaux. Ce livre a été dessiné et inventé par Kimiko. Donc nous nous étions arrêtés à l'escargot. Avec sa crête, le canard, poisson, un poisson, voici le dauphin, on dit qu'il a un bec. Voici un blaireau. C'est un sanglier. Le sanglier, c'est un cochon sauvage. Il a des défenses. Ces petites cornes s'appellent des défenses. Voici le phoque. Et voici un coq. Coq avec une grande crête et une grande queue. Ses plumes sont très très longues, beaucoup plus longues que celles de la poule. Une chauve-souris. La chauve-souris a deux ailes. Elle vole. Et voici une souris. Avec sa petite queue et ses petites oreilles toutes rondes. La souris. Un cochon. Avec sa queue en tire-bouchon. Le cochon. Et voici un hippopotame. Hippopotame. C'est une taupe. La taupe vit sous la terre. Elle a des griffes. Et elle creuse des galeries sous la terre, la taupe. Voici un écureuil. Écureuil. Avec une très jolie queue en panache. Le requin, avec une mâchoire immense et des dents très 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 pointues. Requin. Et voici la baleine. La baleine qui a des fanons. Voici un cygne. Cygne. Et lui s'appelle l'aigle. Voici un aigle. Il a des serres. Un caméléon. Le caméléon, il a les yeux qui bougent dans tous les sens. Un hippocampe. C'est un animal qui vit dans les mers. Hippocampe. Ours blanc. C'est un ours blanc. Et lui, c'est ours brun. Brun, c'est parce qu'il a des poils marrons. Ours brun. Voici le dindon. C'est un animal qui vit à la ferme, dans la basse-cour. Et voici le paon. Le paon a de très 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 belles plumes. Et il ouvre toute sa plume en éventail. Paon.
Voici le koala. Koala. Et lui, c'est le kiwi avec son très long bec. Kiwi. Voici un orque. Orque. Et lui, c'est le panda. Noir et blanc. Le panda. Un singe. Singe. Alors lui aussi c'est un singe, mais on l'appelle le gorille, ce singe. Il est très grand, très gros. Gorille. Voilà. Nous avons fini de regarder l'imagier. Voici tous les animaux que vous avez découverts dans l'imagier de Kimiko. Au tout début, voilà, vous pouvez reconnaître déjà les animaux que vous avez vus dans la première vidéo. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.